E quindi io mi riconosco abbastanza in una frase della genealogia della morale di Nietzsche, che dice: se tu guardi l'abisso, prima o poi l'abisso guarda te. Je me reconnais beaucoup dans une phrase de Nietzsche dans la généalogie de la morale, qui dit, si tu regardes l'abîme, tu te retrouves un moment à être regardé par l'abîme. E l'abisso che ti guarda significa che queste storie poi iniziano a cambiarti. Et l'abîme qui te regarde, à un moment, commence à te changer, à changer les histoires qui te concernent. Io non credo affatto che chi vive un'ingiustizia, posto che appunto credo di averla vissuta, ma non credo che chi vive un'ingiustizia diventi migliore. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je pars du présupposé que j'ai vécu une injustice. Mais ce n'est pas parce qu'on vit une injustice qu'on est forcément meilleur. Anzi, ti senti sempre in credito con la vita, no? La vita ti deve dare qualcosa, ti deve ricompensare. On se sent au contraire toujours à crédit de quelque chose, che la vie doit encore te donner quelque chose, compenser pour quelque chose. E poi il senso di colpa. Et le sens de culpabilité. Carina. C'est chouette cette sonnerie. Il meccanismo interessante è invece pensare che un libro possa interrompere quest'ansia in cui vivi. Le mécanisme intéressant, c'est de penser qu'un livre puisse interrompre cette angoisse qu'on vit. Il mio obiettivo era forse sintetizzabile in quello che ha scritto nel suo diario Kafka, cioè che ogni buon libro morde la stupidità. Et mon objectif, peut-être que c'est ce que Kafka avait écrit sur son journal, que chaque... Sì, che ogni buon libro morde la stupidità. Chaque bon livre mord la stupidité, la Tue bêtise, tue la stupidité. extermine la stupidité et la bêtise. Mais j'ai envie d'en savoir plus également. Par contre, je suis obligé ici de poser des questions qui relèvent d'une certaine forme d'intimité. Ça me gêne un peu, mais je suis certain que le public se pose aussi ces questions. Quelle est votre vie personnelle? Comment s'organise votre vie intime? Avez-vous un compagnon, une compagne? Avez-vous des enfants? On a envie de savoir ça parce que je ne veux pas faire ici de ici Paris ou ou Voici ou Gala ou d'autres saloperies comme ça, c'est pas la question, mais un homme qui écrit des livres comme ça et qui vit 2500 jours, depuis 2500 jours sous protection policière rapprochée, simplement à Strasbourg, ils sont deux aujourd'hui. Quand il est en Italie, ils sont six ou sept. Imaginez ça, imaginez que vous ayez toujours deux personnes quand vous brossez les dents, quand vous allez aux toilettes, quand vous allez au restaurant, quand vous y allez, qui vous surveillent en permanence. Il faut essayer d'imaginer ça, j'admets qu'on ne peut pas imaginer ça, vraiment. Quelle est la part de vie personnelle qui reste? Quelle est la part de bonheur personnel en dehors d'écrire des livres, de dénoncer des choses? Quelle est la part de bonheur personnel intime qui reste dans une vie comme ça? Pardon pour l'indiscrétion de la question. No, è una curiosità che immagino, insomma, si innesca in molti. C'est une curiosité que j'imagine peut être partagée. Je l'imagine facilement. Ma in realtà tutto la vita che hai è in realtà una vita nascosta. En réalité, toute la vie qu'on a, c'est une vie cachée. Ci sono, per esempio, persone sotto protezione che ce la fanno a non so, mettersi le parrucche, i baffi, i dread, no? E io per esempio non ce l'ho mai fatta. Il y a des gens qui vivent sous escorte, qui arrivent à se déguiser avec des perruques, des moustaches, Des des casques, des dreads. casques. Des casques en Quelle France. Hollande, quelle En Hollande. France, des casques avec un scooter, ça marche bien aussi. Quelle Hollande qui però ha alzato la visiera e si è fregato. Le problème, c'est qu'après qu'on enlève oui, dans le casque, après. Se il presidente mi chiedeva consiglio, Si le président me demandait un conseil, non l'avrebbero beccato. il n'aurait pas trouvé.
Si vede che non è esperto di scorte. Ça se voit qu'il n'était pas très expert en, en matière d'escorte. Comunque così è. So che sembra una barzelletta, ma. Je sais que ça a l'air d'être une histoire drôle, mais c'est comme ça. Devi imparare a vivere così. Il faut apprendre à vivre comme ça. Et quelle est la part d'intimité qui reste dans cette vie-là? Stavo allontanandomi da questa porta. J'ai essayé de m'éloigner cette réponse, mais. La curiosità è come fai con fuori una persona a essere sereno dietro la porta. La curiosità è come può essere sereno con una persona dopo il y a quelqu'un qui t'attend en dehors de la, dall'altro côté della porta. Ci sono modi per. Il y a des façons. E, a parte gli scherzi, in realtà la vita è come vivere. In certe situazioni, come vivere i domiciliari, non gli arresti domiciliari. Sans blague, parfois c'est comme vivre un état d'arrêt à la maison. Per esempio, la forza interiore, fare sport in casa. Avere un buon rapporto con chi ti protegge, cercare di non versare tutta la tua rabbia con gli amici o le persone con cui stai vivendo una convivenza. La forza interiore è, per esempio, fare du sport alla maison, avere delle buone relazioni con le persone che ti proteggono, essayer di non décharger sulla persona con cui on partage la vita tutta la rage o l'angoisse. Julian Assange, sono andato a trovare tempo fa all'ambasciata dell'Ecuador a Londra, per esempio, vive rinchiuso ormai da anni, e riesce a essere molto allegro. Par exemple, Julian Assange, che je suis allé voir il y a quelques temps à l'ambassade d'Ecuador à Londres. On parle de l'homme de Wikileaks, hein, je précise. Ah. C'est ça. Vit renfermé depuis quelques années déjà, quelques longtemps déjà, mais il est gay. Lui non può uscire, c'è sempre la polizia fuori. Il peut pas sortir, il y a toujours la police dehors. Se esce dall'ambasciata lo arrestano. Si sort de l'ambassade, il est arrêté. Quando sono andato lì, a un certo punto, dopo che abbiamo parlato a lungo, un po' di cose, ci hanno fatto una foto lì dentro. A un bon moment, quand je suis allée le voir, on a longuement parlé et à un moment on nous a pris une photo ensemble. E quindi io, come dicevo, ho messo la classica mano sulle spalle a vicenda e io ero molto serio, no? Perché come dire, anche attraverso la foto volevo mandare il messaggio di quello che ci eravamo detti. E bon, on était dans la position classique, le bras sur l'épaule l'un de l'autre. Et moi, j'avais une expression très sérieuse parce que je voulais faire passer le message de ceux dont nous avions parlé ensemble. E Julian a un certo punto dice: no, ma è tutto sbagliato, dobbiamo ridere, facciamo un grande sorriso, così facciamo del male a chi ci vuole male. E Julian a dit: ma no, come ça, ça va pas, il faut qu'on soit heureux, qu'on soit gay, là on va faire du mal a ceux qui nous volent, on va pas faire du mal a ceux qui nous volent faire du mal. E infatti, se vedete la foto che poi alla fine abbiamo fatto, abbiamo dei sorrisi incredibili. Et en fait, si vous allez voir la photo qu'on a pris à la fin, on a des gros sourires tout à fait faux, mais on l'a fait exprès. Però io ho imparato, nel senso che ho capito che c'è sempre una possibilità. Et moi j'ai appris, dans le sens où j'ai compris qu'il y a toujours une possibilité. Di fronte a qualunque situazione dura la vita ci costringe, c'è sempre una possibilità. Face à n'importe quelle situation dure à laquelle la vie nous met devant, il y a toujours, toujours une possibilité. La vérité est que, par exemple, i libri, alcune pagine, mi sono arrivate in soccorso come una mano che va sott'acqua e ti tira su prima di affogare. En réalité, par exemple, il y a des livres, des pages de livres qui me sont arrivées en secours à l'aide.
comme une main qui plonge dans l'eau et qui te sort de l'eau où tu es en train de noyer. Lesquels? Lesquels? Une ou deux? Un ou deux auteurs? Ah, si. Spesso molti, ma per esempio Varlam Shalamov, un scrittore che non è molto contento. Un grande scrittore che ha scritto i racconti della Colima, che si è fatto i racconti della Colima. È un libro incredibile, sono due tomi incredibili, dove è sopravvissuto ai gulag sovietici per 20 anni per aver recensito un libro. Par exemple, un livre de Borlaf Shalom.